Il y a des années, j'avais trois fois, quatre fois la quantité de livres de ça, là. J'aurais dû pas y jeter, en tout cas. Mais ça m'aurait pris où j'aurais mis ça, ben. Fait que là, pour au moins ceux-là que j'ai là, je les garde. Et il y a des éditions quand même assez rares, comme La corde au cou de E. Gaborio. Gaborio? Il me semble que je connais quelqu'un qui s'appelle de même. Hein? Hein? Même avec le... l'étiquette. C'est une bonne édition. Oui. C'est spécial, là. 1968. Les éditions Baudelaire, Paris. N'essayez pas de trouver ça ici. Hein? Ça? Hey! Shakespeare. Ça, c'est un livre assez spécial. Ouais, lettre d'un père à sa fille, dans les 1800. Hey, elle commence avec un gros M. Tu sens la texture du texte. Ça, je me souviens... Non, ça vient pas du relais. J'en avais un qui venait du relais. Lui, je pense que... Ah, ville de Bromptonville. Ah, c'est où, ça? C'est où? Ouais, Jean Vanier. Ah, si on faisait le tour là-dedans, j'en aurais pour à peu près 20 ans à parler. Ah, non, mais il y a des bibliothèques bien plus complètes que les miennes. Oui. Moi, je mets ça de même, là, parce que là, j'ai plus de place. Mais quand même... J'en ai là, j'en ai en l'air aussi. Faut vraiment apprécier les choses qu'on a, hein? C'est assez pesant, faut dire. Au plaisir de lire, oui, quand on a le temps.